Le jazz, c'est la liberté. Il y a des gens qui définissent le jazz comme une musique d'une certaine époque, une musique d'une certaine esthétique. Il y en a d'autres qui définissent ça juste comme la musique de la liberté qui prend et qui donne à tous les autres styles, qui est une éponge. Le jazz, c'est une musique de la neige, de la pluie, du soleil, du vent. Le jazz, c'est une musique de la lumière et de l'ombre, de la nuit et du jour, de la terre et de Mars.
Mes influences, elles sont d'abord familiales, puisque c'est ma maman qui est chanteuse d'opéra, qui a voulu absolument que ses enfants fassent de la musique. Et puis mon père, lui, n'est pas professionnel, mais il joue du piano classique depuis toujours. Mon grand-père est chef d'orchestre, donc c'était une dynastie un peu de classique, de musique classique. Je suis pas né avec un piano entre les mains, je suis né quasiment avec un violon entre les mains. Mais mon papa jouait du piano à la maison et j'adorais cet instrument. C'était un piano à queue, alors j'aimais bien jouer en dessous, jouer au train électrique et au train en bois sous le piano. Et ma mère a vécu pendant 17 ans avec Didier Lockwood, qui connaît bien ce festival, je crois. Et donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le jazz. Et puis après les influences, c'était beaucoup de musiciens que j'ai jamais rencontrés aussi. Certains vivants, d'autres décédés. Voilà. Keith Jarrett, c'est une de mes idoles, si on peut utiliser ce mot-là. C'est un de mes grands héros musicalement, pianistiquement. Dans pas mal de domaines musicaux, l'improvisation, la composition, c'est un géant de la musique. C'est une légende. On a la chance qu'il soit encore vivant, même si parfois ses concerts se finissent en mélodrame. Moi, j'ai eu la chance de le voir il y a 2 mois au Japon. En solo, et c'était magnifique. C'était un des plus beaux moments de ma vie.
Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là si nombreux ce soir, ça fait vraiment très très plaisir. C'est la toute première fois que je viens jouer au festival Créé Jazz Vocal. J'en entends parler depuis de nombreuses années et vraiment c'est un grand honneur, un grand plaisir. Merci à tous et toutes. Surtout dans ce cadre, on a quand même beaucoup de chance. Je ne sais pas si vous voyez la lune derrière et les montagnes. Pour nous, c'est très inspirant en tout cas. Je suis vraiment content de vous présenter mon trio ce soir avec lequel, on a beaucoup de plaisir à tourner partout dans le monde. Là, on se retrouve ce soir après un mois de séparation où on a chacun tourné dans d'autres pays. La dernière fois, c'était en Turquie. Ce soir, c'est à Crest. À la batterie, c'est un ami de toujours, un formidable musicien, mais aussi quelqu'un qui m'est très très cher, parce qu'on a commencé à jouer ensemble quand on avait 8 ans, tous les deux, quand il est arrivé de Belgique, en France, donc ça fait... Vive la Belgique. Monsieur Nicolas Charlier. La contrebasse, il arrive tout droit de Verbier, où il vient de faire un mois avec l'orchestre symphonique de Verbier, parce que c'est un virtuose de la musique classique aussi. On a commencé à jouer ensemble il y a 2 ans, quand on habitait tous les deux à New York. On est tous les deux revenus depuis, et il est presque de la région. Son père est d'ici. Je sais pas s'il est dans la salle. Jérémy Bruyère. On a un quatrième membre du trio, c'est l'homme invisible. Il est là-bas, caché, dans l'ombre. C'est celui qui vous fait le son ce soir, Benjamin Ribollet. Alors, on a commencé par une mélodie qui est une sorte d'histoire d'amour métaphorique entre une fenêtre et la pluie. Ça s'appelle La fenêtre et la pluie. Ça n'a pas amené le mauvais temps, tout va bien. Le deuxième morceau, c'est un que mon chien a composé. Il s'appelle Gaston, c'est un petit chien, et parfois quand je travaille, il saute sur le clavier pour m'empêcher de jouer et me forcer à m'occuper de lui. Et il y a eu une fois où vraiment ça a fait une mélodie qui avait une certaine cohérence. Je l'ai juste complété et ça a fait ce blues. Donc ça s'appelle Gaston, c'est le nom de mon chien. Merci pour lui. Et on va vous jouer maintenant une mélodie que j'ai écrite il y a 3 ans et demi lors d'une tournée en Syrie et en Jordanie. J'ai eu le grand privilège de pouvoir jouer dans ces pays-là, notamment en Syrie. C'est plus trop possible aujourd'hui, mais c'était une expérience fabuleuse. Et à la fin du voyage, on avait traversé le désert du Wadi Rum en chameau et on avait passé plusieurs nuits dedans. Et c'était extraordinaire. Et une nuit, j'avais un peu froid parce que dans le désert, il fait froid. Et pour me réchauffer, j'ai sorti un carnet, je suis allé près du feu et il y a ce petit motif que vous allez entendre plusieurs fois dans le morceau qui est venu, ça s'appelle Wadi Rum. Merci beaucoup.
Le piano, j'aime le concevoir comme un être vivant. Pour moi, c'est pas une machine inerte. C'est à la fois un chat qui ronronne et à la fois une énorme baleine ou un gros tigre qui peut rugir. C'est quelque chose de très véloce, très cristallin et très caverneux en même temps. C'est le roi des instruments, c'est un instrument d'orchestre. Et j'aime sentir le piano en trois dimensions. Ce que je souhaite, c'est exprimer des choses qui sont un peu surréalistes, qui vont au-delà du quotidien dans lequel on est, qui vont au-delà des mauvaises nouvelles qu'on lit tous les jours. J'ai envie de transmettre des émotions fortes. Là où je suis le plus heureux sur scène, c'est quand il y a des choses qui s'expriment qui me dépassent complètement, que je me laisse moi complètement emporter par le tourbillon de ce qui se passe et une espèce de bulle, un monde parallèle dans lequel je sais absolument pas plus où on est, quel jour on est, quelle heure il est, combien de temps dure le concert.
Merci, merci beaucoup. C'était l'Arabesque opus 18 pour piano de Robert Schumann. En fait, c'est une nuit, l'année dernière, j'ai fait un rêve un peu bizarre. J'ai rêvé que Schumann prenait le bateau et allait en Guadeloupe. Et se buvait 5 ou 6 tiponges d'affilée. Et après, il écrivait l'Arabesque et ça donnait ça. Voilà. Ça va, vous n'avez pas trop de moustiques, vous ? Nous, ça commence à créer un genre de brouillard. Il s'écrase sur les touches du piano. C'est sympa, ça glisse. C'est plein de protéines, il paraît. Juste au cas où on en mange. Alors, on va, puisque maintenant il fait nuit et ça y est, la lune brille bien, j'aimerais jouer un morceau qui parle des fantômes. Ah, il y en a certains qui le connaissent déjà. Alors, ce sont mes fantômes, les vôtres, ceux que vous voulez. Ça peut vouloir dire plein de choses. Les gens disparus, les gens qui sont simplement partis loin, les gens qui ont disparu seulement de notre vie. Ça s'appelle You're Just a Ghost. Thank you.
Merci beaucoup, Jérémy Bruyère. Nicolas Charlier.